C'est deux événements que nous-mêmes nous t'aiguons tant, ouais, pas loin arrivé. Par rapport à la mort 6 policiers ça yo dans l'Antibonite. Après la mort presque 4 policiers qui étaient arrivés dans le bloc Pétionville. Mais là, nous avons toujours à parler, quand l'émission nous fait la semaine dernière, nous avons exhorté monsieur la police nationale sous danger sac pas loin arrivé sur eux. Nous n'avons pas l'eau, nous avons exhorté ou état-major là. Soudan, j'ai ça que pas trop arrivé sur nous. Et je dis, pays à vivre, yon l'obéi, sans pareil. Pays à vivre, on l'obéi. Que ou même la caouteka attend ni d'après le rivière. Je me dis, pays ça, c'est deux pays que vous conseillez de ne cap jouer avec. Ouais. Moi, notre direction générale là qui réitère convocation pour policiers. Sans perdre de temps. Parce que la convocation lancée hier 25 là. Matin, on l'a rempli comme ça. On me dit que émission que je fait dernièrement, semaine dernière là, force ou état-major l'a tombé. Dans le moment où on parle là, nous sommes les premiers radios qui soutiennent l'information que le commissariat s'il vient fermer et que les policiers ont cadenassé le mettre dehors. Et il y a de fortes possibilités pour faire être fermé. Pour lui en coup fermé net. Quand on a parlé à la soirée, n'importe citoyen qui a des difficultés. Pas de police, pas de commissaire à brûler, il y a une bonne chose. Tout le monde a soif pour continuer. Nous disons que n'a privé dans phase ça parce qu'on a bien chita radoté parler comme si ou penser on femme tant que Hélène Lalime nous penser que son sympa qui a passé là c'est toute une planification de santé car les pays qui dit pays amis pays d'Haïti. Le Canada où est en pile dénonciation faite il prend tout le temps à travers de groupes de réflexion au Canada qui a dénoncé Canadiens, gouvernement Canada, dans le montage l'a fait pour Haïti arriver là. Ça qui a passé à Haïti aujourd'hui, et bon, bah, c'est simple, ça qui a passé. Son bagage qui planifié et que je dis à la victime de lui. problème que nous avons gagné, parce que nous avons deux policiers, nous avons sorti avec dossier loin, nous venons avec là. Il faut me rappeler pour Mounio, nous avons un nombre de blessés dans le niveau police nationale, dans le niveau policier qui t'a manifesté, mais il y a deux personnes qui ont passé dans les parages côté Ariel Ritea, entre 42 à Vivi Michel Lidelma 75. Il y a un fille, un garçon qui recevoit balle. Et il était dans un état critique avant 8 h du soir. Là. Ça qui passe à Haïti à soir, c'est résultat planification selon toute source que nous avons fait confiance dans le niveau BINU et dans le niveau LONU, où quand même nous mettons au conditionnel, que Hélène Lalime t'a planifié, les gens ont planifié guerre civile Soudan. Hélène Lalime a dit que Haïtien a la vie dure, car les gens planifié pour goumer entre eux, date ça, ils pas arrivé bataille. De deux, je dis en bras loin que c'est de petits ambassadeurs, petits chargés d'affaires, qui ont la voix au chapitre, qui ont décidé dans nos pays, qui ont plus que 200 ans d'indépendance. Mais je dis nous, le problème n'est plus profond que ça. N'ayons pas de qui pied pour mettre devant, à qui tête pour piller les ressources de ce pays. Et pays où est monté syndicat, yo connaît Haïti très riche. Ça pour faire, pour prendre richesse Haïti, c'est déstabiliser l'institution, ce que vous faites. Vous faites Jovenel, crase l'institution. Avec Michel Martelly, il a déstabilisé le Parlement, il a fait vacabon entrer là-dedans, à siéger avant, et qui pote nous dans sa nid là. Quand on a parlé là, dans le moment où on a parlé là, seul mettre à bord, excusez-nous, il y aurait les lits internationaux, corps groupe, qui mettent bateau. Et l'on va le voir que Biden va faire déclaration, il va dire tout le monde nous qu'a parti, mettre dehors. Il va dire pour Zetren faire passeport pour l'aller. Il va dire pour Floris pas camper, faut jouer une première page là. Il va dire faut s'adapter, mettre dehors. C'est un bagage calculé, organisé. Et on va le voir, bon Dieu pour nous, il va le faire bagage qui n'a tête au EA, que nous cité dans la corruption la Calia. Il dit que il y aurait plus de possibilités. Tant que tu as fait stabilité en Haïti, mais tu as fait haïtien tous les juférants, fouillés dans tout l'autre pays. Je dis à selon toujours aux sources que nous avons fait confiance, il y a la Nouvelle-Zélande qui est prête, où nous baillons au conditionnel, pour recevoir haïtien pour venir travailler. Il y a l'Australie, il y a la Corée du Sud, il y a la Suisse. Et qu'on paquette l'autre pays, on va l'offrir 54 autres pays pour qu'on quitte Haïti. Ou même on va faire la vie apparaître pour on la vie difficile et dure en Haïti, qu'on pape kakembe, ou pas le pays, ça aussi, c'est paradis. Ils ont planifié pour installer un terreur tel que on va le policier mourir de tous côtés, ou pas pour l'autre bagaille pour voir. C'est aller quitter pays. Et dans la même logique quitter pays, il faut aller à l'aise pour piller les ressources que nous avons. Mais ça planifié et qui prend ces bons résultats. Comment comprendre, selon sources policières, que toutes les armes saisies, Hélène Lalime dit que il n'a pas autorisé la police là, c'est va avec eux, ni balle que vous saisissez dans la douane, qui était là. Et il y a des gens qui même disent, Hélène Lalime t'a pris pour demander de retourner dans le pays où vous êtes sorti, Pendant ce temps, nous avons un bagou balle, nous avons un bagou zam sous nous. Je dis à ma petite population, il faut être vigilant. Ma petite peuple haïtien, ils veulent tourner en esclave, comme esclave, en esclavage. Ils veulent retourner avec nous en esclavage classique. Mais notre seul souci, pour piller ça nous gagne. L'Ouest, ils choisissent le Canada pour mettre dans cette mission. C'est le Canada qui pichot parce qu'il a intérêt pour venir piller Haïti. On a nos petits bagages avant de venir sous policier. Ça. De se reconstruire, le pays qui est l'un des plus pauvres au monde tente de relancer son économie à travers notamment le secteur des mines. Deux entreprises canadiennes ont obtenu des permis d'exploitation et font le pari de redémarrer la production minière. Reportage de Sébastien Saint-François. L'or haïtien n'est pas très loin de Port-au-Prince, mais l'avion est nécessaire pour s'y rendre. Et aussi, 1h30 de route. Une fois arrivé près des montagnes, rien ne sort vraiment de l'ordinaire. Pourtant, ces images sont les premières de ce qui pourrait bien être un Eldorado haïtien. On espère que la production minière s'ouvre et dans notre département et juste pour qu'il y ait un avenir prometteur pour notre pays. On est tellement contents. C'est incroyable. Ça a pris beaucoup de travail et beaucoup de temps pour se rendre à ce point et on a très hâte à l'avenir. Daniel Haché sait ce qu'il trouvera sur le site de la future mine. Jusqu'à 570 000 tonnes de cuivre, de l'or et bien d'autres métaux. Les explorations confirmant la présence des minerais remontent aux années 70. Même si personne n'a pu mener à bien un projet de mine pendant toutes ces années, la géologie de l'endroit ne ment pas. Le gisement fait partie d'une zone particulièrement riche qui s'étend du nord-est d'Haïti jusqu'en République dominicaine. L'ouverture d'Haïti aux minières fait saliver le gouvernement. Le gouvernement emploie déjà un maximum d'Haïtiens, dit le ministre. Avec 65 000 employés gouvernementaux, nous avons besoin de compagnies privées pour créer des emplois supplémentaires. Une autre raison explique l'enthousiasme du gouvernement. La convention signée avec la minière stipule que les profits seront partagés moitié-moitié. Il y a bien des gens à d'autres places qui vont dire « Wow, c'est beaucoup ». Oui, mais de toute façon, de l'autre sens, il y a beaucoup là. Alors, je veux dire, en termes de la compagnie elle-même, c'est très bien pour nous et nos actionnaires. Le département et le pays auront bien besoin des quelques centaines d'emplois qui seront créés par la future mine. Le pays, faut-il le rappeler, a un taux de chômage qui avoisine les 50%. On peut s'en faire si rappel ça, si descendre ça. Et puis la police s'en balait. Pour montrer qui planification qui fait déjà sous tête ou pendant dans le pays. Et pour montrer que nègre qui est signé un contrat sous dollar pas connaît. Avec deux compagnies canadiennes qui disent que richesse pays d'Haïti côté au aller dans nord-est là. Soit Eldorado enragé, tellement qu'il y a cuivre, tellement qu'il y a l'eau, et qu'il y a l'autre métaux en bâté ça. Yo djou li prend depuis le nord-est, il va Saint-Domingue. Pendant qu'on a mouru un groupe, pendant que nèg yo djou, ouè Djol Madan Lalime, Djol Salia, li dou que c'est pays pi pauvre, lè l'al campé sous tribune Nations Unies. Pendant ce temps, Canada qui est embêté deux compagnies pour piller Haïti, pendant que Haïti pi pauvre là. Si je dis à soi qu'a passé police nationale là, il a déstabilisé le pays. Leur vin à broc, vin à troupe, pour prendre l'or, pour prendre diamant, pour prendre cuivre, pour prendre bois, pour laver, et pour pas non good, et pour quitter le pays en sous roche. Aujourd'hui, le pays est totalement ingouvernable. Mais ce n'est pas un échec haïtien. C'est un échec partagé. Grâce à la communauté internationale qui a participé activement et participe encore. ils ont toujours supporté les gouvernements réactionnaires, conservateurs, qui sont contre les intérêts du peuple haïtien. Patron, c'est de l'international lié. Tout ce qui a fait là, dans le moment, gang a tué moun, monsieur gang yo pas sous contact yo, lorsque la police pas qu'à réagir, mandez syndicats dans Nations Unies ici, syndicats paysans mio, comment fait la police pas qu'à agir? Jean a fait planning pour nous, capturer nous toutes. Hélène Lalime kon kote baga la prale. Hélène Lalime a écrit plan pour nous et soi-disant communauté putain internationale là, qui a arrangé, c'est l'amour, c'est kidnapping, c'est assassinat à répétition. Je dis à la côté d'un palais là, ou mettre suivre selon ce que nous avons fait confiance. Dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, quand on va avancer sous le pays, tout commissariat dans la ville provinciale va le fermer pour justifier la présence du Canada qui va venir envahir nous pour piller le pays d'Haïti. Président Biden va l'expliquer avec certains États, mais pour qui ça ne va pas le faire au Vini, parce que vous chargez sous mine d'or, sous mine diamant, sous plusieurs billiards et billiards de dollars de richesse que vous ne connaissez pas, il y a fait mon Vini, venez retirer la caillou, venez payer taxes pendant ce temps où vous allez piller les richesses d'Haïti. Tout État où vous allez camper, vous allez expliquer à gouverneur, vous allez expliquer à magistrat. Mais pour qui ça fait au fait transit là, c'est pour piller richesse pays ça, pour rendre les États-Unis beaucoup plus florissantes. C'est pour le cadeau que a nous. C'est inscrit nous dans le schéma. Le schéma que inscrit nous là, c'est soit une barrière civile là, il y a une barre de fel, soit un fonds bagage humanitaire, mais humanitaire là, c'est pour déplacer paysans de tous côtés. Tout côté de richesse, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le plateau central, dans le nord, dans le Port-au-Prince qui gagne pétrole, ils vont le déplacer nous, côté Nier, pour leur venir piller, pour ne pas gagner qui pour dénoncer. Police nationale a fait carré pour un coup de balle. Policiers fait carré considéré comme chair à canon. Parce qu'il faut qu'on bagaille pour justifier présence. Et police nationale a fait carré mourir selon l'information que nous avons au conditionnel, selon source que nous jouons en dans l'unité policière. Si c'est une sortie comme ça, nous faisons une sortie, puis c'est grave, Ariel n'a schéma pour piller Haïti tout. Depuis qu'il était au pouvoir, juste pour le café créé, pour le café chaud pour lui chaque week-end, il n'y a pas de problème que vous pillez Haïti. Nice one.